Et du coup, j'ai pas vu ce que faisait ce levier. Voilà, bon, c'est cassé. Bibliothèque. Oh, le coffre. Ah bah, c'est de voir le coffre, non? J'imagine. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans. Un truc qui est tombé. Apparemment. Éponge à grattoir de Gloufila. Ne sert à rien dans un donjon, let's go. Parfait. Ça, on dirait des pièges aussi, hein. Putain, j'étais traumatisé des pièges dans mon aventure précédente. Là, y a rien. En vrai de vrai, il y a un petit côté. Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Il y a un petit côté rafraîchissant à jouer plus dans le donjon. Bah, c'est sûr que le jeu s'appelle Donjon d'Albeg, donc ça fait bizarre de plus être dans le donjon. Mais c'est rafraîchissant, quoi, tu vois. Vous avez survécu? Cette fois, je vais en finir personnellement avec vous. On les a tous rétamés. T'es tout seul, moisissure de tombeau. Moisissure de tombeau. Tâcherons des profondeurs. Oh. À moi les morts. Oh, la réplique ne s'est pas faite attendre. Nul nag ou la dag. Oh non, encore des zombies. Ouais, tu risques rien. Ils n'attaquent que les gens qui ont un cerveau. Et je vous avais prévenu, ils se relèvent sans cesse. Si l'épisode s'appelle La nuit des morts vivants, ce n'est pas pour rien. Ok, merci madame. Je n'ai plus peur. Je sens autre chose monter. Est-ce le goût du combat? OMG, le bro Lupin qui revient. Ah, oh, ça fait plaisir de te revoir. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Tu vois, je me suis demandé en lançant les ruines de Limis, est-ce que ça va attirer le bro Lupin? Est-ce qu'il va revenir sur mes lives? Et je suis content de voir que oui. Vas-y, on va te laisser là. Non, on va faire full buff là. Et toi bien? Et bah moi bien, moi giga bien. Tant que j'aurai des chapeaux débiles et des jeux auxquels jouer, je serai toujours bien. Ok, ça c'est fait. J'espère qu'ils ont pas d'AOE. Y'a mon chat qui m'a littéralement abandonné là maintenant. C'est dit, oulala, il parle d'AOE, il doit jouer à LOL. Mais non, mon chat, reviens, je joue Donjon d'Albeg, t'inquiète. Même mort, il s'améliore. Même mort, il s'améliore, putain, cette phrase. Ah, donc faut refocus les magots. Je pense que le voleur va faire une petite carabistouille par là. Ça va mettre bien. Non mais vous avez tous la même réplique en fait, je reconnais ça. Prochain mec il va dire « Même mort, il s'améliore !» Comment je peux gérer pour que tous mes objets soient pris dans la vibe? Comme ça. Je vais faire ça comme ça, il y a juste la magicienne qui est pas prise dedans. Et la magicienne, on s'en fout! La fin est proche. Magicienne, on s'en fout qu'elle ait adresse et force. Putain, il va invoquer un million de trucs. Non, non. Faut que j'arrive à leur foutre le nain devant la gueule, en fait. Ok, ça sprint. Ok. Retardé. J'aime trop parce que le fait de retarder les tours, on dirait trop genre je suis un fin stratège. Pas du tout. Mais alors, pas du tout! Ok, flèche de glace. Pardon! C'est une flèche de zone? Comment il m'a giga baisé! Bon, lui, c'est le boss, ça m'étonne moins qu'il me déboîte la gueule, mais. What?
Changement de plan. On va pas lancer le nain, on va lancer le barbare. What the fuck? Ouais. Attends. Ah non, ça soigne les PV et les blessures, ça soigne pas les altérations d'état. Genre, ils vont vraiment rester gelés comme des grosses merdes. Boah! Comment c'est la baise? Putain, mais attends, tous les archers font des dégâts de zone, c'est quoi ça? T'as fini la quête annexe? T'as fini la quête annexe sans venir taper Elias? Ouais, je crois. La quête annexe, il y avait une quête avec des footballeurs américains. De mémoire. Ah putain, mais lui, c'est mon mode attaque d'opportunité, il va m'emmerder, c'est ça? Ok. Tactique. L'amulette? Pour l'instant, je sais pas de quelle amulette tu parles. Ah, mais attends, là, t'es en train de me dire que peut-être. Je ne suis pas là. J'ai raté des trucs. Parce que là, du coup, j'ai fait que. Enfin, j'ai la quête annexe pour. Comment dire, rafistoler des. Le Trollstein. Mais j'ai pas fait de trucs. Enfin, si, je sais pas, j'ai fait le foot américain. J'ai pas fait de trucs après, normalement. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, après, au pire, je peux la finir après, non? J'espère. En vrai, ce serait trop chiant qu'il y ait des sorts de checkpoint comme ça. Je peux pas revenir en arrière. Ok, c'est la quête du troll. Ouais, c'est ça. Ouais, non, bah c'est ça en fait. Je l'ai entamé, je l'ai pas fini. Je me suis dit, je la finirai plus tard. Même pas mal. Ouais, ouais, on finit plus tard. Ouais, let's go. Plus d'action pour la... Ouais, non, c'est trop... En fait, il y a des jeux qui ont fait ça, le fait de faire des checkpoints où tu peux pas revenir en arrière. C'est jamais une bonne idée. Donc là, je me suis dit, oui, ils veulent faire un jeu un peu plaisant, un peu sympa. Ils vont pas faire cette erreur, quoi. Bon, est-ce que je peux utiliser mes aventuriers? Est-ce que je peux jouer? Parce que là, du coup, mon tank, c'est le barbare et j'ai pas envie. C'est pas lui mon tank normalement. Non, on va les soigner. Ah non, j'ai pas la distance. Non, mais attends, mais je suis coincé contre le bord de la map. On va tenter un truc. Le swing. Oh, oh, il m'a chié dessus. Putain, les dégâts. Oh, les tartes que je me prends sur ce combat. Aïe aïe aïe, y'a rien qui va. Ok, parade, ça fait plaise. Ça, ça pue par contre, hein, parce que le prochain truc, ils seront toujours là. Hein. Même pas mal. Mon barbare, il prend tellement cher. Ok, je peux jouer, donc déjà... On va rendre de la vie au barbare, pas qu'il crève. Et ensuite... Vous allez comprendre votre douleur. Et dégage! Dégage! Oh, les deux, ils tombent pas! Oh, la douille! La gigadouille. Ok, bah vol de vie, hein. C'est lequel déjà? C'est lui le vol de vie, c'est le... C'est le lapin. Toi, si je fais des dégâts... Bon, il restait un point de vie, mais... Ça va. C'est lequel, lui? Ok, il agit dans le très longtemps, j'aurai le temps de le virer. Tout se passe bien. Bon, tout va bien se passer, parce que regardez. Hop, ça je m'en fous. Et toi, coup de bidon dans ta gueule. Comme ça, tu fais pas ton attaque chiante. Pardon. J'ai pas eu le temps de relever mon micro cette fois.
Ah, il m'a niqué toute ma mana. Casse les couilles. La hache de Goltor. Ok. Mika, c'est quoi avec leur flèche de glace? Il s'agirait d'arrêter là. Attends, il attaque deux fois de suite? Oh, il y a un truc que j'ai pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette carabistouille? Bon, là il y a des mages. Là il y a des mages, je peux leur péter la gueule. Ouais, let's go. Un mage de moins. Ça fait des squelettes de moins. Par contre, mon voleur va prendre cher. Ah bah non. Militairement fait une attaque, gros yeux. Les fameuses attaques dans Pokémon, on était là, oh mais c'est trop nul, ça fait pas de dégâts. Oui. Est-ce que je peux faire la carabistouille? Non, ils sont trop hauts en PV. Ça a tapé à l'épée, hein. De toute façon, je peux pas la bouger, mon elfe, elle est un peu coincée. Ouais, elle se prend trop d'attaques d'opportunité pour n'esquiver qu'une. Ça pue! J'aime trop quand ils font ça, ça sert trop à rien. Enfin, je veux dire, j'arrive trop à jouer en fonction de ça. Je trouve ce mécanique pour les archers, elle est pas hyper. Je la trouve pas super bien. Bref. On va se renforcer notre défense. Hein. Là, on prend Chirous. Restez encore un peu. Mais what the fuck, c'est quoi ces mages de fou? En fait, c'est un groupe d'ennemis élites, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Ils font tous des dégâts de zone, ils font tous des soins de zone. Je suis pas bien là. Je crois que pour la première fois depuis que je joue au jeu, je suis pas bien. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Là, je peux faire quelque chose pour vous aider. Quelque chose pour vous aider. Boum, tout le monde full vie. Et ça va. Même pas mal. Par contre, faut que le nain, j'arrive à le balancer dans le tas là. Faut que j'arrive à foutre mon nain dans le tas. Tigreur d'outre-tombe. Mais ça suffit. Arrêtez d'invoquer des trucs! Oh, je peux pas faire ces attaques spéciales, genre. Toi! Def dans le genou! Comment le jeu me chie dessus? Vas-y! En fait, j'essaie d'analyser toutes les probabilités, les possibilités, mais. Ah, c'est pas fameux, hein. Oh non, la flèche de glace. Si ça glace mon voleur. Oh. Tu la vois, ma capuche? Yes. Ça m'est bien, ça. Ok, le double, ça me va. Alors. Ouais, tout, c'est bien. Oh non! C'est pas le bon mot de pouvoir. Ça a renforcé sa défense. J'ai rendu le mode plus tanky. Mais non, putain. Ok, toi t'es toujours stun. Ok, non, t'es plus stun. Oh, je suis dans la merde. Je suis dans une merde. Ok, tu m'offres le dos. Je le prends, bouge pas. Non, c'est pas ça. Ah non, putain, je voulais faire ça, mais j'ai pas assez de mana. Vas-y, hein.
Oh, la chance négative, quoi. Petit soin gratos, quand même, au passage. Enfin, gratos, non, parce que c'est un soin qui me coûte toute ma chance. Ok. Ok, ok. Oh, je suis dans la merde. Fais une attaque d'opportunité, mais c'est pas grave, je me mets là. Je vais mettre sur le côté. Et hein? Ah non, c'est pas. Non, c'est ça que je voulais faire, ouais. Je confus les deux icônes. Allez, let's go. Ya tia tia tia. Mais pas sans douleur. Putain, mais ça fait deux fois que j'arrive à toucher qu'une fois avec cette attaque, trop chiant. Trop chiant. Toujours pas de carabistouille, hein. C'est compliqué, hein. Je vais pas taper lui parce qu'il a un buff de tankiness. Donc ça pue. N'est-ce pas? En vrai, mes alliés, ils ont globalement pas mal de points de vie, hein. Ça, c'est bien. Juste, ils sont pas la possibilité de bouger, quoi. Mais là, ce qui va être bien, c'est quand l'ogre va se réveiller, il va pouvoir jeter le nain dans les ennemis, et là, ça va être bien. Là, ça va être la merde pour eux. Oh oui, oh, si j'arrive à balancer le nain dans le tas, là. Mais l'ogre, il agit pas avant longtemps. Genre, il y a 10 000 ennemis avant l'ogre. Oh oui. Oh là là, le arc du passé qui a rendu le ranger tanky, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Ça fait danser les rats ça. Ah, c'est peut-être ça alors le spell, c'est surcharge, c'est le spell qui fait qu'il t'abandonne. C'est un buff en fait. Ah ouais. Carrément. T'es pas étourdi par contre. Oh, putain, c'est surtout lui que je voulais étourdir pour pouvoir bouger mon ménestrel. Ok, attaque de porte. Toi, tu fais quoi? Pardon? C'était quoi ça? Ouah, non, il va le refaire. Ah non. Ça va. Enfin, si, il a fait un peu la même chose, mais. C'est bizarre en fait, on aurait dit la même chose mais en pas pareil. La même chose en pas pareil, ouais, t'inquiète. C'est un concept. Tout ça pourrait être rire dans mon barbare, quoi. Oh non, c'est pas ce que je veux. On va retarder le tour. On va retarder le tour un peu, hein. Ah putain, les dégâts de zone! Ah, c'est ça, hein, c'est le buff qui est allumé là, c'est la surcharge chelou là. Ça lui fait taper en zone. Aïe! Et moi, ça me détruit la nouille. Ok, la magicienne, let's go. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ça, c'est un ennemi, ouais, c'est un ennemi. Bah, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, ouais, hein. Ça dégage. On va les buter un par un. Ok, j'ai mon ogre. Oh, mais qui est immobile? Il est immobile, c'est ça? Ah, putain, il est immobile. En plus, c'est le dernier tour où il était immobile. C'est pas grave. On va finir lui. Ça, c'est le ranger. Parce que là, la secousse des bourrins, ça tape sur le ranger aussi. Ouais. On n'aime pas trop ça par chez nous, hein. On n'aime pas trop ça. Ouh, ouais. Toi, t'as pas envie de vivre pour prendre une attaque d'opportunité du barbare. Ok, ça me va.
parade, toucher, esquive. La bise. Ah, je peux faire ça. Ça, c'est cool. Ouais. Vache. Mais c'est le barbare qui a tué. Pourquoi c'est toi qui dis dans ta face? Mais enfin. Waouh, ce bonnet me tient étrangement chaud. Étonnant, n'est-ce pas? C'est comme s'il était fait de laine. Et hop, la bise. Est-ce que je peux pas m'écarter avec mon voleur? On va se foutre là, sauf que je vais passer par là, histoire de pas prendre l'attaque de porte. Hop! C'est chelou parce que le voleur, quand il est fantomatique, c'est plus dur à voir quand il est invisible ou pas. Ok, attaque de face. Tu as raté. Boum! Boum, t'as raté, grosse merde. Let's go. Bah écoute, je vais... Je vais juste me déplacer à pied, hein, avec mon petit nain, là. C'est ça qui va se passer. Ah, c'est ça, hein, je vais me foutre là. Et voilà, bisous. Vous avez un nain devant votre gueule. Plus vite. Ils sont trop chiants à invoquer des squelettes, elle est buffée. Ça suffit. Ok. Toi tu vas taper le ranger, voilà. La base, la base. Eux ils sont encore, enfin, encore immobilisés pour ce tour là. Ah, oh, c'est compliqué, en plus il y a 3000 ennemis et lui il a un tour de plus. Parce qu'il s'est fait buffer. Oh mais ça suffit! Ah mais ça suffit! Vous êtes déjà bien trop nombreux! Petite charge du hakak dans ta gueule, hein! Et paf! Dégage! Hop là, mon armée d'hakak, qu'est-ce que tu vas faire? Compliqué, compliqué, on va soigner le... l'ogre. Il a pris cher sa race. Hop. Let's go. Est-ce que c'est pas un Niolo qui part? Non, je crois pas. Hein. Je crois que c'est pas du tout un Niolo qui part. Je crois que c'est juste une petite baffe qui va partir. Genre, paf. Ah, par contre, c'est le soin amélioré, ça proc pas... Ça proc pas, enfin je me comprends. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Hein. Ouais. Ça proc pas sur son objet, les soins améliorés. Le truc qui fait que. Enfin, pas son objet, je crois que c'est une maîtrise qu'il a. Enfin, genre quand tu tapes, il se régène et ben les soins améliorés proc pas sur les soins de quand il tue quelqu'un. Donc en fait, son amulette elle est pas folle sur l'ogre. Elle est pas folichonne. Oh, j'ai personne à carabistouiller. Là, j'ai tué tous les mages, ok. Là, ils vont se démerder sans moi. Oh, ça va faire ça, hein. On va essayer d'achever ce truc-là. C'est moi. Oh putain. Oh ce combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce combat trop dur. Allez hop, on va soigner notre sac à PV. Et on va la mettre là. Parce que là, de toute façon elle est au cac, ma petite elfe. Oh mais attends, je peux faire un truc de zinzin là.
le Niolo des ténèbres. Non mais vas-y. Mais le jeu me déteste. Le jeu me déteste au plus haut point. Le jeu me dit d'aller me faire foutre. Il me le dit et quand il me parle, je l'imagine qu'il me parle avec la voix du nain en plus. Ah c'est compliqué hein. Et... compliqué ce qui se passe. Boom Testen. Let's go. Toi t'es plus stun par contre. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans tes rêves. Allez, le ranger, qui gère? Tout à fait. Restez encore un peu. Faut le tuer lui. Je veux le voir mort. Ok, les amis qui font un échec critique, ça me va. Ah, il s'est auto-infligé une blessure. Genre, les morts vivants peuvent avoir des blessures, let's go. 35-51, vas-y, tu peux le tuer. Non. Ah, après, au pire, j'ai une carabistouille elfique, ça peut le faire, ça peut le faire. Aïe, les nains n'ont jamais mal. Je viens d'apprendre que les calamars vampires existent. Ah oui, les vampires des abysses, là, les machins avec la bouche chelou, là. C'est bien dégueulasse. Si tu parles bien des trucs auxquels je pense... Ah ouais, c'est horrible. Ça a une gueule des enfers, le truc. Comment je vais faire? Ah, je sais ce que je vais faire. Une pluie de gel comme ça. Ça a tapé l'ogre mais m'en fous. Ça fait surtout taper tous les ennemis. De la ruse pour tromper l'ennemi. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va taper? Ça a tapé le mage, hein. Les mages. Je vais me mettre là. Même pas mal. Un point de dégâts, allez. Non, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Elle est trop OP cette compétence. Elle coûte pas d'énergie, elle fait trop mal. Elle fait des dégâts sur 3 secondes. Trop fort. Trop fort. Et le fait que ça coûte pas de mana aussi, bah. Let's go. Nalmok Salet. Oh mais ça pique. Oh non, il m'a volé toute la mana du nain. Non. C'est horrible ces ennemis qui te volent ta mana. Non. Hop la carabistouille. Allez, barrez-vous. Oh, que toi, je vais te faire chier. Oh, ça va être bien. Faut que j'achève quelqu'un, là. Hein. J'ai pas de carabistouille possible. Ah, peut-être que si. Toi, je te carabistouille, hein. Totalement. Toi, tu es carabistouillable. Ouais. Ok, ensuite, qu'est-ce que je vais buter ? Empoisonné, hein. Ouais. Moi, franchement, je frappe les gars à terre, hein, pas de soucis. Ok, toi, tu vas être chiant. Toi, je pense qu'ils peuvent te 2v1. Mes deux zouzous là. Oh, le bordel, ce combat. Il y a des unités partout, genre. Même mort, il s'améliore. Non mais même amélioré, il reste stun par contre. T'es meilleur mon petit lardant, mais... ça ne suffira pas. Oh le swing. Oh l'attaque combo. Brrr.
Attaque combo Moldave. Mais attends, toi je vais te tuer. Allez, la bise. Bisous, Tati. Ok, c'était quoi ça? C'était quoi cette action bizarre? Vas-y, un lapin tueur. Oh, attends. Est-ce que ce serait pas un lapin tueur sur le magicien pour lui voler sa mana? Même pour lui voler sa vie? Parfait. Magnifique. Rotas ignoble. Rotas ignoble qui stun les gens. Hop, maintenant que j'ai de la mana. Brr. Pas de carabistouille possible, parce que je l'ai plus en fait. Je vais taper lui, parce que lui, ça fait un moment qu'il est... Gratuit! Gratuit, bon j'ai des coups critiques quand le combat est déjà gagné, mais ok, let's go. Gratos, gratosu. Ça, ça fait plaisir ça. Mais plus personne, on est d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des gens à soigner? Oui, l'elfe. Toi, ça va, l'elfe. La petite elfette, l'eau. Me voilà. Serre les dents. Je suis le ranger de Loubet. Vas-y, hein, quelque chose pour vous aider. Quelque chose pour vous aider. Ensuite, le nain. Il reste plus que deux ennemis en fait, genre. Enfin, genre là, si je fais ça. Puis ça. Toi, t'es mort. Et si je fais ça. Puis. Ça. T'es mort aussi. Let's go! Bâton controversé de dopage nécrotique. Ça c'est fort ça. Objet qui rappelle tous que non, on n'a jamais vu un nécromancien fair play. Bah évidemment, c'est tous des méchants. Et voilà! Terminé le nécromancien pourri. Allez, oui, dégage! C'est au final. C'était un beau combat. C'est grâce à mon excellente stratégie. Il faut lui prendre son cœur pour le ramener à la femme vampire. J'ai horreur qu'on donne dans la triperie. Peut-être que l'ogre peut s'en charger. Hé, hey, c'est quoi cette volaille? C'est quoi ce poulet fantôme? De Schrapwitz. Je sens un courant noir majeur. What the fuck? Merci, imbécile. Il me fallait connaître une mort violente pour achever ma transformation. Non, en fait, on a aidé le méchant. Non. Mais... On a encore été un méchant? Zut! Pourtant, on avait une bonne stratégie. Hé, hey, mes 50 000 pièces d'or! Merde! La mort n'est que le commencement. Je détiens la force toute puissante. Maintenant, c'est le super sombre. Imbécile! C'est une liche. Il faut détruire son phylactère, sinon il est indestructible. Ah, bravo! Et on trouve où? Manifestement, c'est...
ce poulet. Le ranger est l'homme de la situation. Mais oui, tu putain. Enfin mes qualités de chef. Mais non, tu es un chasseur de poulets. Pour chasser la volaille, t'es le meilleur. Mais oui. Vraiment épuisant. Tremblez, aventurier inconséquent. La toute puissance de la vie éternelle. Le pouvoir du crâne ancestral est en moi. Le pouvoir du crâne ancestral. Rien du tout. On va pulvériser votre phylactère. Oui. Et ensuite, on va te laminer la caboche. Putain, on dirait que des trucs sexuels. C'est des super flèches de Fallen Ariel. Bon, plus et maintenant. Je ne tremble plus devant personne. Baston. Oh, mais toi, quand tu vas redevenir vivant... Ouais, c'est cool. Baston. Quand le voleur va redevenir vivant, ça va lui faire tout drôle. Attends, quoi? Baston, là, tout de suite?